mais arrivé dans cette compagnie auparavant. Et vous découvrez maintenant une expédition scientifique qui s'élance aujourd'hui de la Martinique vers l'Atlantique Nord, destination le 7e continent. Ça fait rêver comme ça, mais en fait pas du tout. Le 7e continent, c'est le surnom de cet amas de déchets en plastique géants agglutinés dans l'océan. Le but, c'est d'explorer cette zone vaste de plusieurs kilomètres carrés. Camille Bourleau. 3, 2, 1. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, cette équipe de chercheurs voguera vers d'étranges contrées. Un carré d'océan où personne ne veut mettre les pieds. On va dans un endroit effectivement un peu incertain en termes de vent, de courant, de vagues. On est à peu près à 2000 km du premier port. Donc ce sont des zones où il n'y a pratiquement pas d'autres bateaux qui se trouvent sur place. Ce sont des déserts océaniques. Mais si l'endroit ne fait pas rêver, c'est surtout pour ce que l'on peut y trouver. Sacs, bouchons, bouteilles, déchets plastiques, une pollution venue de tous les continents qui s'agglutine là-bas au milieu de nulle part. Les chercheurs ne viennent pas pour nettoyer, mais pour observer, prélever et compter. Leur matériel, des images satellites pour cartographier ces poubelles flottantes, ou encore des filets à plancton pour trier les plus petits détritus. On remet le contenu dans ces petites fioles là. Et ça c'est le conservateur, c'est le Lugol, c'est ce qui va nous permettre de conserver tout ce qui sortira des filets. On a des capteurs de polluants pour analyser la pollution dans l'eau. Et puis on va faire des prélèvements sur des poissons pour analyser les quantités de polluants dans les organes des poissons. C'est la deuxième expédition après celle du Pacifique, où il existe déjà une plaque de déchets grande comme 6 fois la France. C'est l'heure de Culture Info. Philippe Dufresne, Carole Pellet. Toutes les tendances sont dans Culture.